Une autre idée reçue qu'il peut y avoir sur le nucléaire concerne les réserves en uranium. L'uranium est un métal, c'est pas une ressource fossile. On nous dit souvent, l'uranium, il n'y en a pas beaucoup, forcément beaucoup sur Terre, c'est en quantité finie, ça nous rend dépendants de nos voisins. C'est en partie vrai, en partie faux. Avec la technologie des réacteurs actuels, oui, on utilise très mal la matière, on utilise très mal l'uranium, ce qui fait que si le monde commence à se doter de beaucoup plus de nucléaire, il va falloir commencer à y réfléchir, parce que d'ici la fin du siècle, il n'y en aura plus beaucoup d'uranium. Par contre, si on passe à des réacteurs surgénérés, de quatrième génération qui exploite beaucoup mieux la matière, beaucoup mieux les réserves d'uranium qu'on a à disposition, on en a pour plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années littéralement.